Monsieur Belhimer, Ammar Belhimer, bonjour. Bonjour. Alors, le plan d'action du gouvernement adopté, des orientations et un objectif, construire la nouvelle Algérie, un new deal for a new Algérien, réitéré encore une fois par le président de la République et monsieur le Premier ministre. Cette affirmation, cette déclaration, c'est une déclaration de rupture. Tout à fait. Rupture avec un état de fait, à mon avis, qu'il faut préalablement évaluer, quoi. État de lieu dont il faut faire le bilan, par quoi commencer? Par quoi commencer? La question soulève une autre question, à mon avis, qui me rappelle celle de mon ami Mejid Kawa, le poète algérien, ancien secrétaire national de l'information à l'UNJ en 1975, avec qui j'avais créé l'hebdomadaire L'Unité, et qui intitule un recueil de poésie « Par quelle main tenir le vent ?» Justement, par quelle main tenir le vent aujourd'hui dans l'Algérie de 2020, celle dont a hérité le président de la République depuis les dernières élections présidentielles. Par quelle main tenir le vent dans plusieurs sens. Au sens politique, c'est l'État algérien et depuis un an dans un état de délabrement total. Heureusement que le Hirak béni a soulevé un cri de détresse et d'amour pour ce pays. Comme l'a dit le président de la République, c'est un Hirak béni qui a pris conscience d'un état d'effondrement avancé des institutions de la République. On le voit aujourd'hui dans beaucoup de secteurs, on a hérité de carapaces, de vides, quoi, de structures vides, vidées de leur substance humaine, vidées de leurs compétences. Première préoccupation politique qui, par ailleurs, traduit une crise d'un modèle de représentation déjà précaire. Un modèle de représentation politique déjà précaire. Précaire parce que récent, quoi, il remonte à la Constitution de 89 et parce qu'il a été fortement secoué par plusieurs crises depuis. Et plus récemment encore, un modèle de représentation politique démocratique aggravé par un double facteur. Le premier facteur, c'est un système d'allégeance, allez, disons, de type féodal. Il faut avoir le courage de dire les mots. Le deuxième facteur, qui a été dénoncé également par le président de la République, c'est l'avènement de l'argent sale sur la scène politique. Shkara pour acheter l'immunité, pour pouvoir sévir dans son douar, dans son fief. Et tout cela, à mon avis, a donné ce que ça a donné, le Hirak il y a un an. Le Hirak encore une fois béni, encore une fois salutaire et encore une fois fort opportun et légitime. Le cap est donné vers le changement aujourd'hui. Nous sommes dans cette logique, dans cette optique. Deuxième élément du bilan. Avant de parler de changement, on change quoi? Donc, on change un mode de gouvernance qui est politique et qui n'est plus d'actualité. Donc, pour les raisons que je viens d'avancer. On change également des choses sur le plan social et sur le plan économique. C'est un peu sur cette base que repose le programme du gouvernement. Au plan social, il faut constater que nous héritons de très fortes inégalités sociales qui font rager les Algériens, qui ont cassé le climat de confiance, qui ont cassé l'adhésion des Algériens. Les gens ne vous croient plus parce que le président de la République a avancé le montant de 1250 milliards de créances non recouvrables auprès des banques. Des gens qui pouvaient emprunter par simple coup de fil, donc d'accord, c'est pratiquement 10 milliards de dollars dont tu ne pourras pas espérer le remboursement, pour être objectif. Disons que ce sont des créances non recouvrables. Donc des gens qui se permettaient d'accéder, j'allais dire, directement à la caisse sans passer par les systèmes classiques d'hypothèques, de garantie de l'endettement et ainsi de suite. Et troisième front, ce qu'il faut affronter, c'est le front économique où malheureusement, là aussi, les mécanismes de concurrence ont été battus en brèche par une oligarchie qui s'est installée dans le monopole, dans l'abus de position dominante, dans d'autres dérives à caractère économique, ce à quoi s'ajoute naturellement
l'instabilité législative qui a accompagné cette situation économique. Instabilité législative qu'on retrouve dans des secteurs fortement rentiers. Vous voyez un peu le code des marchés publics qui changeait tous les 6 mois, les législations relatives aux investissements qui changeaient tous les 6 mois, le foncier industriel qui changeait tous les ans et demi selon l'étude de notre consoeur Yakout. Voilà un peu la situation qu'on a hérité il y a un mois et demi. Que va-t-on faire pour sortir de ce champ de mine et de ce champ de ruine? Et c'est là qu'intervient le programme du gouvernement dont on va parler. D'accord. Mais justement, par rapport à ce plan d'action du gouvernement, les changements qui sont aujourd'hui envisagés, vous parlez de changement de mode de gouvernance politique, est-ce que ça passe par une refonte du texte fondamental qui doit d'abord consacrer les principes d'un état de droit pour rétablir cette confiance perdue? Monsieur Bertrand. Tout à fait. Lorsque vous lisez le plan d'action du gouvernement, vous verrez qu'il place au premier plan des actions envisagées, la reconquête des libertés. Donc, il revisite le mode de gouvernance et il place l'équation politique au premier rang des chantiers qui sont ouverts. Là, on rejoint, je crois que le gouvernement rejoint un peu la plupart des observateurs politiques dans notre pays qui sont d'avis que en Algérie, la crise est d'abord d'essence politique. Elle est d'abord politique avant d'être économique ou financière. C'est-à-dire, si vous ne changez pas de mode de gouvernance, il ne sert à rien d'emprunter de l'argent ou d'injecter de l'argent. C'est-à-dire, il faut avoir de la vision, il faut avoir des règles, il faut avoir des normes, il faut avoir un mode de gouvernance rénové, démocratique, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des systèmes de contrôle, d'audit, avant d'engager une quelconque dépense. Vous voyez un peu l'esprit qui préside au programme du gouvernement. Donc, au premier rang des actions, des 5 actions inscrites, au premier rang, il y a une matrice politique qu'on a appelé une nouvelle république née des aspirations populaires, qui vise à réhabiliter les institutions de l'État fortement menacées par 20 ans de gabegie, à réhabiliter ces institutions de l'État sur la base de 2 choses. Un, renouer avec le suffrage universel, la volonté populaire, c'est-à-dire le pouvoir revient au peuple, et deux, de couper la relation entre l'argent et l'exercice du pouvoir, donc combattre de manière conséquente la corruption. Mais dans cette mission, ce qu'on peut considérer par rapport au constat que vous avez fait depuis pratiquement un mois et demi, bien avant, monsieur Ammar Belhimer, que dans cette mission, les partis politiques ont failli. Il va falloir aujourd'hui soutenir l'émergence d'une société civile beaucoup plus performante et active sur le terrain. Il y a nécessairement une reconstruction générale à entreprendre. Là, vous parlez des sphères de médiation, effectivement, qui mobilisent aussi bien les syndicats que les associations ou les partis politiques et qui ont besoin, en effet, d'être revisités à l'aune d'un nouveau paradigme constitutionnel. On sait que la démocratie représentative est en crise un peu partout. Elle est encore plus chez nous parce que ça relevait d'un système d'allégeance et d'obéissance un peu infantile, hein, puisque d'un niveau fondamental, on n'est pas encore sorti du parti unique, j'allais dire. Et qu'à un niveau fondamental, comme disait Mehri, que j'adore, la Yarhamou, la maison de l'allégeance, de l'obéissance, pardon, a formaté des organes politiques selon une formule qui n'est pas toujours adéquate, d'accord? Donc il faut revisiter tout cela pour mettre en place un nouveau système de gouvernance beaucoup plus représentatif, qui associe la démocratie représentative à la démocratie participative. Il faut qu'il y ait ce lien permanent entre une mobilisation sociale populaire
et une représentation politique. Il faut qu'il y ait le lien entre la société civile et la société politique. Alors, plus de place à l'allégeance, il faut promouvoir les compétences. Complètement. Complètement promouvoir les compétences. D'abord, en battant en brèche l'exclusion, en réhabilitant les compétences et en instaurant un système de méritocratie absolue. Comme dans tout pays démocratique, la méritocratie s'installe à travers le titre et à titre égal le concours. Au-delà de tout autre paramètre, que ce soit le clientélisme ou le régionalisme. Alors, Nouvelle République, qui consacrera une démocratie effective, un nouveau mode de gouvernance, transparence de l'action publique, la moralisation de la vie politique, lutte contre la corruption et les corrupteurs, promouvoir un dialogue responsable et apaisé des dispositions qui figurent dans le plan d'action du gouvernement. Dans les faits, comment passer du théorique vers la pratique? Comment concrétiser tout cela de façon effective sur le terrain, puisque vous avez précédemment déclaré qu'il y a aujourd'hui une résistance au changement? Monsieur Belhima. On reste dans le premier point d'ailleurs, la rénovation de la gouvernance, du mode de gouvernance. Vous avez bien fait de dire que ça reste un peu un chantier un peu vague, général, mais il est moins vague lorsqu'on aborde les autres composantes de ce chantier politique. Le nouveau mode de gouvernance fait appel à l'exercice des libertés de réunion et de manifestation. C'est écrit noir sur blanc dans le programme du gouvernement. Il fait appel à une justice indépendante et moderne. Dans le programme du gouvernement, vous allez être étonnés, nous revisitons un certain nombre de catégories juridiques qui sont très sensibles et qui sont fondamentales pour le peuple algérien. La garde à vue, les droits de la défense, la détention préventive, la liberté provisoire, l'erreur judiciaire. Ce sont des catégories qu'on n'a jamais eu le courage de poser dans les précédents programmes de gouvernement. C'est la première fois que le président de la République soulève des questions aussi sensibles portant sur des catégories essentielles d'un état de droit et d'une société démocratique. Les dépassements constatés par le passé ne se reproduiront plus jamais. C'est un engagement. On vise à mettre en place l'encadrement requis pour que ces dépassements n'aient plus lieu. Ce à quoi s'ajoute, vous le verrez d'ailleurs très bien, une justice moderne, elle est adossée à un système de sécurité des personnes et des biens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police sera au service de la justice, elle sera au service des citoyens. Une police moderne, avec comme annoncé dans le programme du gouvernement. Ce à quoi s'ajoute, au même chapitre d'ailleurs politique, on a dit une presse libre et responsable qui associe les libertés et la responsabilité. Ce à quoi s'ajoute également un système de valeurs qui réhabilite une pratique religieuse modérée, qui réhabilite les valeurs de novembre. Vous voyez un peu tout cela figure dans la même sphère, la sphère politique. Alors, situation financière, deuxième chapitre, difficile avec l'épuisement des ressources et un déficit de plus de 10 milliards de dollars. C'est les chiffres avancés par le Premier ministre lors de sa présentation du plan d'action du gouvernement, qui a parlé aussi de pertes d'équivalent de 17 milliards de dollars pour l'année précédente. Comment et avec quel argent financer les projets ambitieux contenus dans le programme, en préservant bien sûr les avantages sociaux que l'État aujourd'hui veut à tout prix maintenir, à savoir les subventions et les augmentations de salaire avec la projection éventuelle d'aller vers le relèvement du SNMG. Monsieur Belhimer. Le chapitre 2 du programme du gouvernement répond à votre question. Il est intitulé « Réforme financière et renouveau économique ». Donc c'est par une réforme financière et renouveau économique qu'on abordera désormais la question du financement que vous posez. Jusqu'à présent, le financement de l'économie algérienne se fait par les réserves de change. Les réserves de change que procurent les exportations pétrolières de manière générale. Or, la demande de pétrole n'a jamais été aussi basse depuis 10 ans à cause notamment du coronavirus en Chine, ainsi de suite. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, par rapport à cet aspect, vous avez des réserves de change qui avoisinent les 60 milliards de dollars aujourd'hui. Vous avez un différentiel de dépenses qui est annuel, comme vous l'avez dit, pour 2019, de 10 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
Si vous êtes un rentier, vous allez dire, j'ai encore de la marge sur 2 ans pour financer sur réserve de change les besoins de l'économie. Mais ce n'est pas l'intention du programme du gouvernement. Le programme du gouvernement, je vous dis que au titre de la réforme financière du renouveau économique, il faut sortir du système rentier, il faut sortir du système informel et du système bureaucratique. En créant quoi? En créant de la valeur, en encourageant les industries de transformation, en encourageant la transformation des ressources locales, en combattant le lobby de l'importation. Parce que ce qui empêche la production nationale, ce qui empêche l'offre nationale de s'imposer sur le marché, il faut le dire aussi, c'est également un système d'importateur-importateur qui a imposé sa loi et qui a empêcher dans beaucoup de secteurs d'activité nationale la production locale de s'imposer. Donc il faut, j'allais dire, un système de relance par l'offre de produits nationaux, une industrie nationale. Alors, Monsieur Amar Belhimel, moi, je voudrais revenir avec vous sur le chapitre économique. On parle de nouvelle gouvernance financière et économique, un projet ambitieux pour lever toutes les contraintes à l'environnement économique, libérer l'investissement et les contraintes liées à l'investissement, en libérant certains aspects, puisqu'il a été question également de ces aspects-là lors de la réunion Wali-gouvernement. Nouvelle gouvernance, cela implique quoi exactement? Est-ce que c'est un grand chantier qui va être engagé? Très grand chantier qui implique la poursuite de 3 objectifs. D'abord, une réforme financière. Financière, ensuite ce qu'on a appelé un renouveau économique, et enfin, troisième volet de l'action économique du gouvernement, la lutte contre le chômage et la promotion de l'emploi. Pour le premier volet, la refonte du système financier, elle est envisagée dans 4 directions. Première direction, c'est la refonte du système fiscal au sens d'élargir l'assiette fiscale, élargir l'efficacité et la rapidité dans la perception des impôts, parallèlement à l'exonération des revenus mensuels inférieurs à 30 000 dinars en termes de justice sociale. Deuxième direction de la réforme du système financier, c'est l'instauration de nouvelles règles de gouvernance budgétaire. Avec la réhabilitation de ce qu'on appelle la règle d'or. L'État ne doit plus vivre au-dessus des moyens de la nation. Donc il faut un État dont les dépenses sont en adéquation avec les possibilités du pays. Troisième direction, donc, sous le même chapitre, c'est la modernisation du système bancaire et financier. Vous savez très bien que nous vivons une catastrophe dans ce pays. L'un des faibles niveaux de bancarisation dans la zone MENA, selon la Banque mondiale. Et là, il est, à mon avis, il faut prendre le taureau par les cornes et aller une bancarisation accélérée et massive, pour absorber le secteur informel, donc la liquidité qui se trouve sur le marché. Et quatrième direction, c'est le développement de l'information statistique et la perspective. Et là, c'est important. Vous allez me dire que on nous a dit à l'Assemblée nationale et au Sénat que le programme n'est pas assez chiffré. Il n'est pas assez chiffré parce qu'on n'a pas fait de recensement général de la population et de l'habitat depuis des années dans ce pays. Quand j'étais au CNES avec Feu Babesque, que Dieu ait son âme, des ministres défilaient pendant la décennie écoulée avec des chiffres datant des années 70. Il ne faut pas se voiler la face. Vous ne pouvez pas faire de projections valables avec des statistiques vieilles de 10 ans. Donc mettez à jour vos statistiques avant de chiffrer votre action. Et ça sera fait au courant de l'année, sur instruction du président de la République, avec le recensement général des populations et l'habitat. Et dans le prolongement de ce recensement général, la finalisation de l'étude stratégique Algérie 2035. Lorsque vous avez l'outil statistique en main, vous pouvez projeter valablement. Autrement, c'est de la spéculation. C'est ce qui est justifié un peu ce que vous êtes en train de dire à l'instant. Il me reste le deuxième. Qu'il n'y ait pas eu d'échéance ni projection chiffrée. C'était volontaire, monsieur Belhimel, si on s'en tient à vos propos, en l'absence de statistiques fiables. En l'absence de statistiques fiables, on ne peut rien projeter. On peut mettre le cap, fixer un cap. Un cap général. C'est le cas
nous avons fixé des caps à un niveau politique, des caps à un niveau économique, à un niveau social, à un niveau diplomatique, à un niveau de défense, en se disant c'est la bonne direction à prendre et après on affinera la démarche avec le recensement général, la population et l'habitat. Le deuxième volet qui est très important dans le programme d'action du gouvernement, c'est le renouveau économique. Le renouveau économique, comme je vous ai dit, il faut encourager les activités à forte intensité de travail et à forte intensité de recours à la ressource locale, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit humaine. D'accord ? Ça, c'est important. Et troisième volet, et ça, vous allez voir que c'est la première fois que la question du chômage est traitée sous cet angle, c'est dans l'action économique du gouvernement qui est inscrite la lutte contre le chômage et la promotion de l'emploi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le traitement du chômage, désormais, ne relève plus de la décision administrative, de la voie administrative, mais relève d'une praxis économique. C'est le paradigme économique. Le chômage fait partie du redressement économique. Mais justement, il n'y aura plus d'emplois précaires, il n'y aura plus d'emplois de mauvaise qualité comme par le passé. Donc c'est un emploi qui répond à un besoin économique et non pas à un besoin administratif. Mais justement, par rapport à ce plan d'action du gouvernement, l'absence de statistiques et d'échéances, certains économistes ont déclaré que c'est un plan approximatif. Quel est votre commentaire et votre réponse, M. Perrimet ? C'est un plan d'engagement résolu à aller vers le renouveau. Alors, libérer l'économie, l'État régulateur et non plus entrepreneur. Et complètement. C'est l'affaire des investisseurs et des opérateurs économiques. C'est ce qu'on a dit. On a dit il faut une réforme en profondeur du climat des affaires. Lorsque vous lisez le Doing Business de la Banque mondiale, où on est très mal classé, 157e dans le monde, vous verrez que tous les indicateurs sont au rouge, et notamment les indicateurs du financement. Ce dont se plaignent les entreprises, c'est l'accès au crédit actuellement. C'est un accès discrétionnaire et clientéliste au crédit. À côté, naturellement, des 9 autres paramètres évoqués par le Doing Business et qui ne sont pas reluisants également. Donc c'est ce climat qu'il faut assainir en donnant des garanties, en donnant de l'assurance. Il ne suffit pas de donner des privilèges ou des exemptions. Il faut donner de la stabilité, il faut donner de la sécurité juridique à côté des autres privilèges fiscaux et autres. Mais justement, quand vous parlez des crédits bancaires, il y a pratiquement 1250 milliards de dinars de crédits bancaires non recouvrés. Comment récupérer l'argent des Algériens qui a été détourné, dilapidé ? Est-ce que c'est une opération que le gouvernement va engager ? Elle sera engagée de manière résolue, fondamentale et réfléchie. L'opération de recouvrement des biens détournés obéit à une résolution, à un texte des Nations Unies qui date de 2003. C'est la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption qui a été ratifiée en 2005. Lorsqu'on fait le bilan de cette convention, on observe quoi ? On observe deux types de comportements par rapport aux États d'accueil de l'argent détourné. Vous avez les pays de tradition anglo-saxonne, États-Unis, Angleterre, auxquels se joignent les pays du Nord, comme l'Allemagne ou les pays scandinaves, qui sont farouchement opposés à ces fuites de capitaux et qui vont jusqu'à restituer l'argent détourné. D'accord ? Les règlements anticorruption étant beaucoup plus durs dans ces pays. Et vous avez par contre, et là ça nous concerne de près, les pays de ce qu'on appelle de tradition romano-germanique qui sont plus permissifs à ces systèmes de corruption, c'est le cas de la France où atterrissent l'essentiel des fonds qui sont détournés chez nous. La France, cette année, a fait un texte d'application à la Convention des Nations Unies sous l'impulsion du député le sieur socialiste, dans lequel elle dit, elle met en place des procédures de récupération de l'argent détourné, mais de manière un peu hypocrite, je mets ça entre guillemets, par respect au droit français, qui nous inspire souvent. Un peu hypocrite parce qu'elle dit qu'il peut y avoir une action de récupération des biens détournés, mais ils ne sont pas restitués au pays d'origine. On crée un fonds de récupération de l'argent détourné. Ce fonds peut éventuellement financer l'Agence française de coopération et d'aide au développement, tout comme
en règle générale, à 90% des montants qui sont détournés, atterrit dans les mains du Trésor français. Donc l'argent détourné finance l'État français actuellement. Malheureusement, c'est le cas. Mais vous avez aussi certains experts nationaux et étrangers qui déclarent que rien ne sera restitué ou pratiquement rien ne sera restitué. Nous sommes là face à des déclarations politiques et populistes de consommation interne. Quelle est votre réponse ? Il y a des pays qui restituent l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis. Le problème, c'est que nos oligarques n'investissent pas leur argent dans ces pays-là. Ils l'investissent surtout en France, dans les bars, les restaurants, les hôtels particuliers, ainsi de suite. Donc ça va être pour l'essentiel difficile à récupérer, mais beaucoup d'autres pays restituent. Mais le gouvernement est déterminé à restituer cet argent. Bien sûr, il y a cette volonté politique réelle. Il y a un dispositif qui sera mis en place sous l'autorité active, et éclairée, compétente, vous le savez très bien, du ministère de la Justice. Moi, je fais confiance à mon confrère Samati pour mener à bien cette opération. Il sait y faire, il sait s'y prendre, il est résolu à le faire, comme vous l'avez remarqué, avec l'action de nettoyage qu'il a engagée depuis longtemps déjà. Les entreprises en difficulté financière actuellement, en raison de plusieurs considérations par rapport à l'année que nous avons traversée, qualifiée par des opérateurs économiques comme étant une année blanche, quelles mesures prendra le gouvernement d'ici solution de ces entreprises ou récupération de ces entreprises, monsieur Belhimel, est-ce qu'on a les capacités de le faire? Vous savez, sur le plan financier, de les récupérer. Il faut dissocier les entreprises selon leur régime juridique, d'accord. Moi, entreprise privée, j'obéis au code de commerce, d'accord. J'obéis au code de commerce, j'ai des règles qui me permettent de jouir librement de l'activité économique. C'est l'article 37 de l'ancienne constitution, 43 dans la nouvelle constitution, la liberté d'investir et de commerce. Donc, par rapport à cette liberté, je ne suis redevable que du code de commerce. Vous me suivez? Donc, le comportement rentier qui consiste systématiquement à renvoyer à l'État la solution des questions des entités économiques n'est pas la bonne solution. Il faut séparer l'activité économique des tutelles administratives, des tutelles bureaucratiques et de manière générale de l'activité de l'État. L'État actionnaire, oui, l'État gestionnaire, non. Ça, s'agissant du secteur public. S'agissant du secteur privé, il est redevable des seules règles du code de commerce et des seules règles du marché financier ou du marché bancaire, que ce soit les bourses ou les banques. La corruption, durcissement des mesures de prévention et de lutte? Mais complètement. Durcissement des mesures de lutte contre la corruption, mais également vigilance à l'entrée dans l'exercice des responsabilités. Il ne faut pas attendre que le crime soit commis. Il faut qu'à l'entrée, vous mettiez en place un système de méritocratie qui éloigne de fait les candidats potentiels à la corruption, qui facilite qui encourage l'intégrité, qui encourage la responsabilité, qui encourage la compétence. Voilà le vrai traitement de la corruption. C'est que dans l'accès des fonctions publiques, la chose soit réservée à un profil particulier qu'un système de méritocratie encadrerait dans la durée. Voilà un peu la solution idoine. Alors, et non pas répressive seulement. Donc il y a une solution préventive et une solution répressive. Oui, c'est bon de mettre les gens en prison, mais c'est mieux de les empêcher de toucher à la caisse. Alors, liberté de presse consacrée, mais liberté responsable, c'est votre déclaration, monsieur Ammar Belhimer. Vous gérez actuellement le poste de ministre de la Communication. La presse, un chantier de réforme et de refonte qui sera engagé, puisque vous lancez les premiers débats sur les médias à partir de ce jeudi. Oui. Moi, je prends en matière d'un point de vue référentiel, comme matrice et comme cadre commun d'exercice de notre métier. Je prends une équation qui met en harmonie la liberté. Moi, je suis le ministre des libertés. Et je ne suis pas le berger de la presse. Un. Et deux, qui met en harmonie une liberté totale avec abolition du système de l'agrément. Je suis pour la déclaration simple pour exercer une activité de communication.
mais en même temps, comme on dit en droit, un système de responsabilité qui encadre l'exercice de cette liberté. D'où l'expression que j'utilise de liberté apaisée. Donc une liberté totale, mais qui respecte le droit à l'image d'autrui, un principe fondamental du Code civil depuis deux siècles, qui respecte l'honneur des personnes, la vie privée des personnes, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de secteurs. Ça, c'est la matrice. C'est une matrice qui repose sur donc, une équation responsabilité-liberté et qui repose également sur un certain nombre de valeurs partagées. C'est des questions d'éthique et de déontologie, c'est des questions d'autorégulation de la profession et des questions de régulation de la profession. Les médias voilà le privés, audio, télévisuels et les médias électroniques agréés prochainement, puisque les médias électroniques, c'est le premier débat que vous allez lancer. Encadrés prochainement, parce qu'ils sont agréés. C'est ça, en termes de droit, il y a une différence. Le problème, c'est que les médias audiovisuels et les médias électroniques évoluent dans un secteur de non-droit, pour deux raisons. D'abord, parce que le mode de gouvernance qui a prévalu jusqu'à maintenant a fait très peu cas de la place du droit comme mode de régulation. Il a fait très peu cas de la caution juridique dans l'encadrement de toutes les activités dans notre pays. Il y a eu un mépris du droit dans tous les domaines dans ce pays parce que c'est le fait accompli qui a prévalu. J'allais dire, c'est le droit de la force et non pas la force du droit qui a prévalu, de manière générale. C'est un peu le carburant qui a prévalu jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est la règle de droit qui doit prévaloir. Donc, nous allons faire rentrer dans la matrice juridique un certain nombre d'activités comme l'audiovisuel qui obéissent au droit étranger actuellement et qui sont portées par des satellites, donc des organes de transmission étrangers. Et nous allons, parallèlement à cela, encadrer également l'activité de la presse électronique qui réunit grosso modo 150 sites électroniques pour le moment. Depuis qu'on est là, on a donné l'autorisation à tout le monde d'exercer ces deux activités, audiovisuelles et de presse électronique, en attendant de les encadrer juridiquement à partir de la semaine prochaine, puisqu'un premier rendez-vous sera consacré à la presse électronique. C'est le premier chantier de réforme des médias qui sera suivi par d'autres chantiers de réforme des médias qui traiteront d'autres branches, de toutes les branches de la communication, en faisant appel aux professionnels et aux opérateurs de la branche considérée. Mais si je m'en tiens à vos propos, M. Belhimel, c'est-à-dire que les télévisions privées maintenant ne seront plus de droit étranger, elles seront de droit algérien. Elles seront de droit algérien et elles seront, si possible, dans la mesure du possible, si les gens suivent un peu nos incitations, on mettra en place un système d'incitation qui les mettra sur Alcomsat 1, le satellite algérien, non pas le satellite étranger. Alors les difficultés financières que rencontrent certains médias, par exemple privés, dans les médias papier, quelles seront les mesures qui seront prises éventuellement, même pour certains aussi médias télévisuels? Si on devait les citer par exemple, Chourouk, qui a une redevance assez importante. Il n'y a pas une seule entreprise de presse, publique ou privée, qui soit viable. Qui soit viable. Tout en difficulté. Au bilan, toutes les entreprises rencontrent des difficultés aujourd'hui. D'abord, elles ont eu des difficultés à s'adapter à des mutations technologiques. Lorsque je vois le bilan d'Alpap, je constate quoi? Alpap te dit, depuis 2000, je vends 80% moins de papier journal. C'est-à-dire que les tirages de journaux ont diminué de 80% depuis 10 ans. Heureusement qu'elle a compensé cette perte du chiffre d'affaires par ce qu'elle appelle le papier offset, c'est-à-dire la production, l'impression notamment du livre scolaire qui a permis aux entreprises d'impression de limiter les dégâts parce qu'elles sont toutes déficientes et déficitaires. Pourquoi elles sont déficitaires? D'abord parce que les journaux ne payent pas. Même s'ils payent, ça ne suffit pas parce que le journal est imprimé depuis 1990 à 10 dinars l'exemplaire. Sur les 10 dinars, lorsque vous payez les charges, les amortissements, l'entreprise d'impression publique ne perçoit que 5 dinars 70.
Est-ce que vous croyez qu'avec 5 dinars 75, vous pouvez faire d'une entreprise d'impression publique une entreprise viable? Donc, perte de chiffre d'affaires, inadaptation au poste technologique. Tous les journaux, maintenant, passent, sont lus, par, sont lus sur, sur l'iPhone. Comme partout dans le monde, les jeunes aujourd'hui lisent la presse. Bien entendu, il ne va pas au kiosque. Quoi. Le kiosque, c'est... Donc, il n'y a pas, on peut même dire qu'il y a très peu de maillons de la chaîne de communication, quelle que soit la branche de communication, qui soit viable aujourd'hui. Dans la presse écrite, même les diffuseurs éprouvent des difficultés à avoir leur équilibre financier. Le diffuseur ne diffuse que les journaux dont les tirages dépassent un certain seuil. Il ne diffuse plus les journaux à faible tirage. Donc, il n'y a pas un seul maillon qui soit épargné par cette évolution technologique. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à cette situation? Il faut s'adapter, et il faut s'adapter à cette évolution. L'État doit intervenir aujourd'hui pour soutenir ces entreprises de médias en difficulté. Pour l'instant, vous n'avez aucun outil financier pour soutenir la presse, puisque le fonds de soutien à la presse n'est plus alimenté depuis 2015. Les moyens de soutien disponibles actuellement, c'est les dettes auprès des imprimeries. Les gens tirent, ils ne payent pas. Deux, la publicité d'État. La NEP contrôle, la manne publicitaire émane pour l'essentiel à 75% de la commande publique. C'est normal, l'État est le principal investisseur et producteur donc, d'annonces dans ce pays. Et donc tu as l'impression... Tu as la publicité et tu as les maisons de presse, donc les locaux mis à la disposition des titres dans différentes wilayettes, notamment à Alger. Voilà, c'est l'aide directe et indirecte de l'État, en plus du fonds de soutien à la presse qui était initialement destiné à la formation, au perfectionnement, ainsi de suite. Donc certains médias vont disparaître parce qu'on n'a pas les moyens de les soutenir ou de les financer? Non, il y a nécessité absolue de soutenir le pluralisme. Il y va de la démocratie, de l'exercice démocratique dans ce pays. Il faut soutenir le pluralisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller à ce que des situations de monopole, d'abus de position dominante ne s'installent pas dans notre pays. Il faut également veiller à combattre férocement les prête-noms. Ça, c'est important. C'est dans la loi, mais ce n'est pas mis en œuvre. Alors, mais certains disent aujourd'hui que cette situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui la presse nationale, c'était volontaire pour justement museler la liberté d'expression. Monsieur Belhima. Je vois pas. Je vous ai dit, moi je suis le ministre des libertés, je ne suis pas Beria Souheda, d'accord? Alors, plus de liberté d'expression dans les médias publics aujourd'hui liberté également. Totale, système, la déclaration, libre exercice de la profession dans le respect de la vie privée, dans le respect de la dignité, de l'honneur des gens. Fini l'ère de la censure dans les médias publics? Aucune censure, la preuve. Est-ce qu'un journal a été censuré? On est en train de supporter les dettes des entreprises, on est en train de supporter les charges, on va assainir, ça ne veut pas dire que la situation doit rester en l'état. Nous allons mettre en place de manière consensuelle, de manière négociée, d'accord, les chantiers qui permettront d'assainir la situation branche par branche, étape par étape. Chaque chose en son temps. Alors aujourd'hui, plusieurs questions des auditeurs. Certains vous disent aujourd'hui, monsieur, qu'en est-il de la réhabilitation des anciens cadres de services de sécurité qui ont été écartés pour avoir justement dénoncé de grosses affaires de corruption? Est-ce qu'ils seront réhabilités? Je ne relève pas de mon secteur, mais je suppose que oui. Dans l'absolu, oui. Dénoncer la corruption est un devoir national. Alors, 22... Mais parfois, dans certains cas, ne pas dénoncer la corruption lorsqu'elle touche à certains secteurs, c'est de la haute trahison. Alors, 22 février, consacré journée nationale, c'est la volonté du mouvement populaire. Ça va être le cas ou pas le cas, monsieur Belhima? Personnellement, j'appelle à cela. Alors, renforcer aujourd'hui... Le 22 février, journée nationale d'un mouvement, le Hirak, béni, qui a sauvé l'État algérien d'un effondrement annoncé. Alors, que ça soit clair. D'accord? Il n'est pas question... d'enfreindre la poursuite des Hirak de quelque manière que ce soit. Maintenant, il faut... le Hirak est un mouvement populaire, autonome,
qui peut à l'avenir alimenter un système de veille, qui peut alimenter la naissance d'une nouvelle cité civile, qui peut alimenter la naissance d'associations sur de nouvelles bases, qui peut alimenter la refondation de la scène politique, et ainsi de suite. Donc, j'espère que ce sera le vivier de toutes ces nouvelles institutions démocratiques dont nous avons tant besoin pour l'avenir de ce pays. Alors, promouvoir les jeunes dans ce nouveau mode de gouvernance ? Complètement, les jeunes et les femmes, surtout. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment consacrer une véritable liberté quand certains sont opprimés et détenus ? C'est de donner les armes qu'il faut à ces certains dont vous parlez. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous êtes pour les libertés totales de la presse, certains sites électroniques bloqués. Pourquoi ? Aucun site n'est bloqué. Belhima. TSA a été libéré il y a 15 jours. Depuis que je suis là, aucun site n'est bloqué. L'autorisation a été donnée à tous les sites, les titres qui sont passés au journal, au ministère, pour s'enregistrer. Vous pouvez venir vérifier sur place. Plus d'accès à l'information institutionnelle, ouais, plus ça, d'ouverture. Mais complètement. Vous parlez d'une loi qui date, je crois, de 86. C'est la loi qui oblige les administrations à donner de l'information aux administrés et aux journalistes. Donc, la liberté d'accès à l'information date de chez Lillahi Rahmo dans ce pays. Donc, nous avons un dispositif de loi qui permettent l'exercice démocratique de la profession. Il suffit de le mettre en œuvre, c'est ça. Il est inconnu, souvent inconnu, ce dispositif, parce qu'on fait très peu cas du respect du droit dans notre pays. Délit de presse totalement abandonné. De façon effective, monsieur le ministre, pas théorique. Mais complètement. Il faut dépénaliser l'activité de presse, de deux manières. Un, en séparant le libre exercice de la profession qui est régi par le code d'information, en laissant au code pénal le soin de régir les dépassements à cet exercice. D'accord. Deux, mettre en place non pas une autorité de régulation à la presse écrite, mais ce que j'appelle un conseil national à la presse écrite avec trois organes fondamentaux. Un organe de vérification de la publicité, de la diffusion qui justifie la publicité dont bénéficie chacun, un organe d'établissement de la carte de presse et un organe d'arbitrage et de médiation en cas de conflit. C'est une solution quasi-judiciaire, extrajudiciaire, qui permet de dépénaliser les délits de presse. Ça permet aux parties en conflit de recourir à un médiateur, ce qui existe dans le droit algérien depuis 2005, depuis la refonte de code procédure civile administratif. Donc, recourir à des médiateurs qui règlent les conflits sans aller alourdir le système judiciaire dans notre pays. Ça existe, il suffit qu'il y ait un organe permanent qui s'en occupe dans le cadre d'un conseil national à la presse qu'on mettra en place avant la fin de l'année. Sur le plan organique, tous ces aspects vont être amendés, puisque vous allez revoir la loi. Nous allons revoir la loi et nous allons mettre en exécution certaines dispositions de cette loi. C'est-à-dire, il y a un double aspect, un aspect de toilettage, quoi, pour ce qui est de certaines choses qui sont plus d'actualité, qui sont plus de mise, et il y a un problème de mise en œuvre s'agissant d'autres choses comme la codification de l'activité de la presse électronique, conseil de la publicité et du conseil en communication. Parce qu'il y a du travail de codification à faire de manière massive dans ce secteur. Alors, protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions quand tout abus ou menace ? Complètement. De toute autorité qu'elle soit aujourd'hui, monsieur. Vous parlez à un ancien journaliste qui est prof de droit, donc ça va de soi pour moi, ça. Je suis là pour les protéger. Alors, qu'est-ce qui sera fait justement pour préserver les droits des journalistes, monsieur Belhima, puisque nous savons aujourd'hui que certains pour être passé par là il y a plus de 30 ans, il faut qu'ils s'organisent. Il faut qu'ils acquièrent de la force en mettant en place des associations et des syndicats représentatifs, actifs, puissants, et puissants, unitaires également. Il faut arrêter d'être dispersé sur des bases factices, tu vois. Il faut mettre en place des associations et des syndicats de journalistes qui valorisent
l'exercice, le bon exercice du métier. Monsieur Ammar Belhimer, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.